saluons, mes bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus et nous comptons avec vous en ce premier dimanche du septième mois de l'année, mois de l'achèvement. Le Seigneur fait nous grâce, nous capables réunis pour nous adorer en esprit et en vérité. Et dans un moment ça, nous arrivons dans un moment pour nous partager ensemble le pain de vie, nourriture que le Seigneur préparait pour nous, afin que nous capables de vivre en bonne santé spirituelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais inviter à l'ouvrir la Bible avec moi. Nous allons aller dans Jean chapitre 17. Nous allons lire les versets 3 et 4. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jean chapitre 4. Jean chapitre 17. Les versets 3 et 4. Amen. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. 3. Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. La vie éternelle, c'est qu'on est un, ou même, c'est le bon Dieu, tout bon. C'est qu'on est Jésus-Christ, mon ouvoyé. Moi, t'ai fait un bel pouvoir sous tes ça. Moi, fais tout ça où t'es bon fait. Amen. Papa, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci pour parole. Et nous demandons tant prie, Père, bénis parole ça. Et permettez à ce que chaque petit tout qu'il a, joignons parole, parole qui pour éclairer, parole qui pour libérer, parole qui pour convaincre, parole qui pour instruire. Et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Je dis à mes bien-aimés, nous voulons parler de une des choses qui sont plus importantes pour nous comprendre dans la vie chrétienne. Le Seigneur permet que nous arrivions dans un mois tout neuf et libanon, un thème tout neuf, côté les sautes passées. Avec nous 30 jours dans l'obéissance et l'arrivée dans le septième mois année pour lire ben nous yon l'autre thématique, yon l'autre thème qui c'est achèvement. C'est un thème, mes bien-aimés, nous dit qui vraiment important dans la vie chrétienne pour nous comprendre. Nous avons un thème qui est essentiel pour nous comprendre dans la vie chrétienne. Parce que c'est à la base de une vie chrétienne victorieuse. Pour marcher dans la victoire, il faut comprendre ça. Pour marcher dans la victoire, pour être capable de marcher dans la victoire, de victoire en victoire, pour être capable de mener une vie chrétienne victorieuse, c'est important pour passer par l'achèvement. C'est important pour comprendre, mes bien-aimés, l'œuvre achevée de Christ. Ça fait nous te dire, moi ça, c'est une question de achever l'œuvre. C'est achèvement, le Seigneur mettait accent pour vous, sous achever l'œuvre. Et ça fait, liban nous, parole ça. Nous lisons deux versets ça pour vous, mais nous pas prêter sous verset 3, verset pas non, c'est 4 là, et c'est là dans nous joindre sujet pour méditation, non? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, c'est achever l'œuvre. Qui œuvre? Œuvre de Christ. Moi, fais tout ça où t'es bon fait. Moi, fais tout ça où t'es bon fait. Donc, c'est là, mes bien-aimés, nous prenons par son titan dans verset ça, dans parole ça. Moi, fais tout ça où t'es bon fait. J'ai achevé
l'œuvre que tu m'as donnée à faire. L'œuvre achevée de Christ. Qui est-ce? De monde n'a pas l'air là. Monde qui achevé œuvre là, ce n'est pas l'autre monde nié. Non, joint ni nan, verset 3, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Moi, je l'ai dit aujourd'hui, mes bien-aimés, bon monde qui finit travail. Gen yon moun, œuvre li a achevé. Œuvre li a arrivé nan bout li. J'ai noté introduit pour vous l'autre jour, noté gardé pour vous côté depuis le commencement, œuvre là pour nous arriver là. Pas gen match mes bien-aimés, retour. C'est aller seulement que tu gagne dans match ça dans championnat ça. Pas gagné match retour. Championnat ça pas gagné match retour là-dedans. C'est aller seulement que tu gagne. Donc, pas gagné rien encore pour yo compléter. Pas gagné rien encore pour yo ajouter. Pas gagné rien encore pour yo faire. Et c'est ça que fait le Seigneur. Dit, alléluia. J'ai achevé. Pas gagné rien pour yo faire. Dans le sacrifice là. La croix, li résout tout problème, mes bien-aimés. Pour problème que Christ est venu, la croix résout. Golgotha vin qui ça vin yon signe, Golgotha vin signe nouvelle alliance là, et li vin sacerdoce pi excellent et parfait. Et c'est peut-être ça le Seigneur Jésus sur la croix, eh bien, li pral relé bien fort. T'étais les stars. Tout est accompli. Jean 19, 30. Dès lors, mes bien-aimés, tout effort humain, pour arriver qu'on y a là, saisir victoire ou, pour arriver gagner bataille, il n'y a pas aucun sens. Il n'y a pas aucun sens. Parce que seule bagaille, la seule chose qui va maintenant, eh bien, les révéler dans Jean 3, verset 14-15, qui dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Papa, bon Dieu, avec vous. Amen. Alléluia. Belle histoire ça, mes bien-aimés. Que Jésus-Christ fait référence à lui maintenant. Belle histoire ça a déroulé dans le désert là. Alors que le peuple Israël là, il était voulu contourner, mes bien-aimés, le pays d'Édom, depuis la montagne de Hor, dans Nombre chapitre 21, verset 6 a continué, ou praloué que parole l'a dit, où, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Au verset 9, il dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Nous connaissons adage ça, mes bien-aimés, qui dit, c'est fait qui coupe et fait. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Adage Jadou, c'est fait couper fait. Eh bien, c'est même bagaille là tout, mes bien-aimés. Contre les serpents, eh bien, faut qu'on serpent. Donc, serpent de rien, les pas l'autre bagaille, mes bien-aimés, que yon préfigure de Christ. La perche, c'était signe que Christ te doit mourir élevé. Tout le monde te doit well. Alléluia. Tout le monde te doit well. Bon Dieu te doit faire en sorte que l'humanité t'en parler de Christ.
De telle sorte que, mes bien-aimés, responsabilité a, yo capable de bailler à l'homme pour la suite, la paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Responsabilité à l'homme capable de venir pour continuer le travail là. Donc, bon Dieu, tu es capable de faire directement, tu es capable de détruire ce serpent brûlant que lui-même te voyait. Oui. Mais moyen que lui préconisait, il sortit de dans toute logique, mes bien-aimés. Il y a un peu de monde qui dit, il sortit dans toute logique. Oui, parce que c'était un moyen irrationnel. C'était où tu es capable de considérer comme une absurdité, où tu es capable de considérer comme une folie pour un pile monde, un espoir. Pour un pilote, tu es considéré comme un espoir, comme une preuve d'amour. Alléluia. Et c'est exactement ça, mes bien-aimés, frères et sœurs, que l'apôtre Paul pral dit. C'est ça le pral dit à propos de la croix, côté li pral dou, où le Christ fut élevé sur le mont Golgotha. 1 Corinthiens 1:18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce peuple, bon Dieu, avec moi là. Amen, amen. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, Jésus-Christ vini l'idou, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais qui ça qui caractérise, mes bien-aimés, achèvement œuvre ça? Voilà que Christ dit, j'ai achevé l'œuvre. Qui ça qui caractérise œuvre achevée ça? Qui ça caractérise achèvement ça? Les mourir sur une croix. Li mouri sous yon croix, premier bagay pour qu'on ait. La croix de Christ, mes bien-aimés, li bien plus que deux mots au bois que vous avez mis ensemble. Li allait au-delà de deux mots au bois que vous avez. Puis grand vertical et puis pitié horizontal. Maintenant, qui te dit yon bagay? Moi, je veux dire que. Si ça coûte, la croix, mes bien-aimés, si que reflétait la croix, si ou t'es capable de dire plus là, c'est le signe de l'abondance. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. L'homme gardé la croix, ou t'avais dit que c'est un signe plus que lié. L'homme gardé le coussin, t'avais dit son signe plus, c'est le signe de l'abondance. Amen. Alléluia. L'homme garder la croix, c'est l'abondance. Depuis la chute, mes bien-aimés, du jardin d'Éden, eh bien, bon problème qui t'est posé, mes bien-aimés. Faut vide ça qui t'est créé, problème ça, mes bien-aimés. Faut que tu résoudes problème vide là, qui t'est créé, caille l'homme là. Parce que, il t'est chassé. Du lieu de délice, yo te mette le dehors. C'était le signe moins la paix bon Dieu avait. Amen. Yo te mette le dehors de lieu de délice là côté li t'a bien vivre là. Donc mes bien-aimés, le signe moins alors le signe moins avait alors rempli sa vie. La vie l'homme te gagné ou moins la donne. Est-ce que peut bon Dieu avec là? Amen, amen. Alléluia. La vie de l'homme vient gagner ou moins la donne. C'est si moins là qui rentre là. Le chasser de jardin d'Éden, du lieu de délice. Donc, mes bien-aimés, par le regard de la croix, on peut retrouver abondance là que vous êtes capable de communiquer à l'autre. Jean chapitre 10, le verset 9, les versets 9 et 10, parole de Dieu dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. »
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Pour rien au monde, mes bien-aimés, Jésus pas capable de mourir la Kylie. Pour rien au monde, Jésus pas capable de mourir dans le bon chemin. Pour rien au monde, Jésus pas capable de mourir l'autre côté que la croix. Jésus pas capable de mourir bon chemin, mes bien-aimés. Tant qu'il y a un monde ordinaire, la paix, bon Dieu, avec vous. Amen. C'est totalement contraire à la pensée de remettre l'homme dans sa jouissance primitive. C'est contraire à penser ça, mes bien-aimés. Il n'est pas capable de mourir de l'autre côté. Que quand on veut mourir, mes bien-aimés, parce qu'il faut que tout le monde veut. Et c'est peut-être ça, l'hypothèse une couronne d'épines sur le chemin de la croix. Et ça fait pour bien comprendre point ça, mes bien-aimés, faut que nous retournions dans Genèse, côté sentence, mon Dieu, était prononcée après la chute de l'homme. C'est là que épine n'a pas paraît. Genèse 3. Verset 16 a continué, il dit à femme, non, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alléluia. Tu enfanteras avec douleur et les désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as malgré et tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Alléluia. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. La paix, bon Dieu, avec vous. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mes bien-aimés, alléluia. Le map gade bien sentence qui t'est prononcée en Éden après la chute. Map gade là, gagnons augmentation de souffrance pour phénomène naturel yo. Ou ap gade souffrance pendant grossesse là. Mesdames, vous connaissez ça, n'abdia là. Enfantement avec douleur. La domination du mari, pour garder dans le sens absolu, côté li engendré, mes bien-aimés, pita, ça nous est polygamie, côté nèg prend 50 madame, 100 madame, 1000 madame, et côté vin gon mépris pour la femme. Le mépris de la femme. Ou ap manger l'herbe des champs, li pas étranger à l'homme, d'ap manger zeb. Nous sommes peut-être dans toute herbe qui dit au portant de la semence. Donc, ça qui était destiné initialement, mes bien-aimés, à bête, Genèse 1er, verset 29-30. Mais là, mes bien-aimés, deux malédictions que Christ te doit porter, te doit prendre sous dol pour être capable de rétablir le commencement. La paix, bon Dieu, avec vous. La première malédiction, c'est la question des épines. Est-ce que nous avons la question des épines et des ronces que devrait produire la terre? Christ est de potel. Ça fait soldat au pral, mes bien-aimés, prophétiquement au pral, ouais, soldat au pral fait le poté malédiction ça, pour que l'homme capable de retrouver la bénédiction du commencement. Alléluia. Tu cultiveras et tu garderas le jardin. Matthieu 27, 29, lui dit où ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Alléluia. Il mourut sous la croix. Mais mes bien-aimés, li baisser tête li pendant sous croix, li baisser tête li, mes bien-aimés. C'est deuxième malédiction. Deuxième malédiction pour résoudre, c'était malédiction sol là, mes bien-aimés. On nous connaît que toute bagaille
les purifier avec sang. Donc, il fallait donc que Jésus-Christ baisse tête lui et que sang coule sous sol là. La terre pour capable régénérer. Parce que si tu regardes le serpent des reins, on pourra le profiter de deux décrets, ça y est, mes bien-aimés. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. La paix, bon Dieu, avec vous. Alléluia. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, frère Maximio, l'œuvre achevée de Christ, elle n'a parlé de achèvement de l'œuvre, elle n'a parlé de Christ qui dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, mes bien-aimés, œuvre ça, que Christ achevea, l'y attesté par le ciel, l'y attesté par la terre, et l'y attesté par le séjour des morts. Papa, bon Dieu, avec vous. Amen, amen. Que cela est merveilleux, mes bien-aimés. Ça fait l'idée, dans Matthieu 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Mes bien-aimés, voilà déchiré. Bon Dieu, mettez fin à fragilité la chair. Les mettez fin à système. Sont capables de dire système mentor à côté, ou besoin de monde, ou besoin grand ça, ou besoin sacrificateur qui pour venir mener, pour venir beauté, pour venir porter péché, pour venir demander pardon pour vous. Ça nous, la doctrine de la couverture spirituelle. Je dis à où venir gagner, ils ont accès libre. Je dis à accès à lui-même, les libres. Et où doit exercer autorité ça que l'Ibaoua, ou capable de crier auquel bonheur. Pour ou même qui croyant aujourd'hui, et que le Seigneur avant l'aller, libre mission ça, pour continuer travail là, et dit allez, al fait de toute nation, disciple pour moi, baptisez yo, enseignez tout ça que nous t'apprenons, et baptisez yo, alléluia. Oui, sacrifice pour péché à qui t'es doué. Faites, mes bien-aimés, à chaque péché. Eh bien, les désormais, les faites qu'on y a une fois pour toutes. Sacrifice à fait une fois pour toutes. Tremblement de terre là qui fait là, mes bien-aimés, laissez expression que tout ça qui est bon, que toute bagaille, mes bien-aimés, bon. Et que toute bagaille qui est sous la terre, vin kounia accessible à l'homme, la terre pas maudite, la terre pas maudite, non, les pas maudits, la terre pas maudite, mais la travail en faveur, la produit richesse. Contrairement à ça, en pile monde pensé. Contrairement à ça, en pile monde pensé, oh oui, la terre maudite, sacrifice à fait, sans te couler sous lit, Jésus qui te porte deux malédictions, ça y est sous lit, et ça fait œuvre là achevée. Moi qui sorti dans le tombeau, yo symbolisé relâchement prisonnier qui, spirituellement, mes bien-aimés, yo te kembe yo en captivité. Yo pas capable d'expérimenter les merveilles du royaume de Dieu. Matthieu 27, 52. Donc, mes bien-aimés, nouvelle vie après la mort, les démontrer nouvelle naissance là, expérience de nouvelle vie qui sorti en bas oppression, diabla, et en toute liberté par rapport à loyau, à contrainte humaine, yo. Fremsem. Zamim, bien-aimé dans le Seigneur. M'a pas capable de compter matin. Hein. Tout ça qui passait à Golgotha pour nous. M'a pas capable de compter matin. Hein. Tout ça qui passait à Golgotha pour moi avec vous. Même capable de partager un petit bagage avec vous. Il dit dans Colossiens 2, 13 à continuer. Les deux vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision. Les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui.
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Et Galates chapitre 3, le verset 13, il dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Alléluia, li fait pour vous. Et mes bien-aimés, si vous prenez Esaïe, chapitre 53, les versets 4 et 5, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ouais. Mes bien-aimés, l'œuvre de Christ l'est achevée. Jésus-Christ achevé œuvre là, l'est arrivé dans le bout. Et ça fait le capable de déclarer œuvre là. L'achevé l'œuvre là, les fins fait saleté pour le faire arriver jusqu'au bout. Je dis à moi-même avec vous, en nous reposer nous dans lui-même. Car désormais, pas de monde qui a vu une camper devant qui pour dire, al monter escalier, mettez wash dans main à midi, al mettre à genoux sous grage, pour al faire l'autre sacrifice, pour al faire pénitence. Pas de monde qui a vu tout ça. Plus rien à faire. Plus rien à faire d'autre. Je dis à Sorge pour faire. C'est fixé Géo sous serpent des reins, élevé, qui était monté sous pêche là. Côté Christ lui-même, il était élevé sous bois calvaire. Il a tout acquis pour nous à Golgotha. Il prend toute bagaille pour nous. Nous avons tout en Jésus-Christ. Sous bois infâme ça, il prend toute bagaille sous dol. Il prend malédiction sous dol pour ou même pour qu'a béni. Qui prend l'amour pour ou même ou qui a gagné la vie. Je dis à Frère Maxime, en nous rentrer dans le repos ça. En nous rentrer dans l'œuvre ça. En nous continuer nous-mêmes. Mission ça que lui confie nous. Aller, à le faire monde pour lui. Aller, à le chercher monde pour lui. Ça le bat où? Ça le mette dans où? Mission que le confie là. Accompli mission. Accompli mission. Pas bronché, pas plaigné, parce qu'au pas pour contour, c'est lui-même qui commissionné, c'est lui-même qui mandaté, c'est lui-même qui avait, c'est lui-même qui confié au travail ça. Faut qu'on achève. Apôtre Paul, t'es arrivé dans bout là, mais il y a un monde qui peut te continuer. L'île t'est achevé, travail pas là. Il t'est arrivé dans bout là, il dit, il est arrivé dans bout là. Li rive nan bout la, li kembe la foal. Men maye a passé jodi a, Paul te passé le bay Timote, li te passé le bay Monsieur Lio, li te bay Timote responsabilité pour continuer travail la, ou même ou gen responsabilité jodi a, pour mener œuvre ça, pour faire travailler le Seigneur confié ou la, jusqu'au bout, pour qu'arrive nan bout travail la. Et pour qu'a dit, même Jean avec l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur.